Christiane Béraud, bonjour. Je suis la représentante de la liste Roissy, un combat, un avenir. Une liste citoyenne, qu'est-ce que c'est? C'est une liste qui n'a aucun parti politique et qui est constituée exclusivement de citoyens sans étiquette politique. Donc sur notre liste, vous allez trouver des Roisséens, des Roisséennes de tous les quartiers, de toute appartenance, de tout horizon, avec des sensibilités différentes. C'est ce qui fait notre richesse. Donc nous avons une vision beaucoup plus roisséenne que partisane. C'est pourquoi nous vous proposons de garder pour la ville un cadre de vie agréable tel que nous le connaissons. Nous voulons maîtriser l'urbanisme. Nous voulons également que tout le monde puisse vivre ensemble. Nous offrirons à tous des structures adaptées, quel que soit leur âge. Et nous voulons également que tout le monde puisse participer, que ce soit au niveau culturel, au niveau associatif, au niveau sportif. Chacun trouvera sa place dans notre proposition de vie. Et nous voulons que tout le monde puisse vivre ensemble avec plus de sécurité. François Perrusseau, 62 ans, deux enfants, 39 et 37 ans. Je suis à Roissy-en-Brie depuis 35 ans. J'ai été conseiller général du canton de Roissy-en-Brie de 1998 à 2011, premier adjoint de Roissy-en-Brie de 2001 à 2008, en charge des finances et des sports. J'ai été président de plusieurs associations sur Roissy-en-Brie, y compris au niveau du département. La liste que j'ai voulu présenter aux Roisséens est à l'image de la population. Il y a des jeunes, 22 ans, il y a des moins jeunes, expérimentés, 75 ans, 7 jeunes ont moins de 28 ans. Notre programme Vivons Roissy peut se décliner autour du thème Vivons Roissy. Le développement durable avec des voies vertes, des bornes électriques pour les voitures, avec les problématiques de sécurité également pour sortir dans la ville sans être inquiété, avec une confiance redonnée aux associations qui font vivre justement la ville de Roissy-en-Brie. Roissy-en-Brie est riche d'ailleurs de ces associations que nous souhaitons mettre en avant. Le 23 mars, je vous invite à voter pour la liste Vivons Roissy. Bonjour, Sylvie Fuchs, maire depuis 2008. J'ai su me rendre disponible et je me suis investie avec mon équipe et l'ensemble du personnel pour développer et améliorer les services et les équipements publics sur la ville. Grâce à une gestion saine et responsable, d'ailleurs nous avons obtenu la note de 19,5 sur 20 de la part de la Direction générale des finances publiques, sans augmenter les impôts, nous avons agi dans tous les domaines de la ville. À titre d'exemple, nous avons créé une bibliothèque et une ludothèque, un gymnase ou encore refait plus de 7 km de voirie. Aujourd'hui, nous souhaitons poursuivre sur notre lancée et aller plus loin pour répondre toujours mieux aux besoins des Roisséens. Nous réalisons en ce moment la reconstruction de la salle jeunesse près du collège Anseau et nous prévoyons une nouvelle école au sud de la ville, un terrain de foot synthétique, un centre de santé intercommunal, l'amélioration des conditions d'accueil de la petite enfance, la poursuite du développement des moyens de transport, le développement des activités économiques et donc la création d'emplois locaux. Et tout ça dans le respect de notre environnement pour un développement durable sur notre territoire. Pour Roissy, continuons ensemble. Merci à vous.